Bonjour, je suis Marie, manager chez MAC à Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire de parfaites lèvres avec le Retro Matte et Glossy. Pour donner plus de volume à vos lèvres, je vous conseille sur l'arc de Cupidon d'appliquer une poudre comme les Pound Mineralize Skin Finish. Je remplis la lèvre avec le Lip Mix qui va me permettre d'apporter tout de suite de l'intensité et un effet mat sur la lèvre, longue tenue. Donc après avoir suffisamment bien rempli la lèvre, je vais utiliser le crayon Vino pour avoir vraiment le contour parfait. C'est toujours mieux préférable d'avoir le contour qui matche le plus avec la couleur du rouge à lèvres. Donc je commence toujours par le centre, l'arc de Cupidon dans un premier temps, et ensuite de la commissure vers l'intérieur de la lèvre. Donc après l'arc de Cupidon, partir de la commissure de la lèvre vers l'intérieur va me permettre d'avoir un effet de lèvre galbé. Avec un pinceau plat et droit, je vais venir parfaire la netteté de mon contour. Et maintenant, je viens juste estomper les démarcations avec un pinceau double fibre assez souple pour vraiment que ce soit imperceptible. Pour rendre ces lèvres encore plus glamour, j'ajoute le gloss transparent pour ajouter un côté vinyle à ces lèvres foncées sur toute la lèvre.